Ici, on est à Clé, on est entre Baugé et La Flèche, à 25 minutes d'Angers, à 15 minutes de l'autoroute. Donc, pour aller à Paris, on met moins de 2 h 30. Donc, c'est pas négligeable. Et puis, on est desservi par beaucoup, beaucoup d'hippodromes dans la région. Et un Excellent. panel d'entraîneurs autour de chez nous qui me permet d'avoir une clientèle pour le débourrage pour entraînement. Et les sols ici, c'est un sol sablonneux, sol naturel, piste naturelle, économie de travaux pour la piste, un bon point pour les jambes des chevaux, d'avoir un sous-sol en sable et pas un sous-sol artificiel. J'ai commencé ma carrière en étant jockey, où j'étais apprenti pendant 5 ans chez Gérard Margogne. Et après, j'ai été jockey de plat, puis d'obstacle. J'ai gagné de belles courses en obstacle, avec un grand plaisir, où je me suis donné à 100%. J'ai été obligé d'arrêter suite à un accident, une fracture des cervicales. De ça, j'ai été responsable chez Xavier Lostang, puis j'ai tenu une antenne pour Pascal Adat à La Flèche. J'ai travaillé un peu chez Monsieur Libo aussi pendant un an pour découvrir aussi le plat, puis chez Donatien de Bourgard pendant un peu plus de 2 ans comme responsable. Et après, je me suis lancé dans le passage de la licence d'entraîneur public que j'ai eu avec succès. Et en parallèle, on faisait les travaux ici pour commencer l'installation. Donc, dans un premier temps, débourrage pré-entraînement. La demande est forte à ce niveau-là et le manque de personnel dans les courses joue en ma faveur pour m'installer. Voilà, donc pour l'instant, c'est essentiellement du débourrage pré-entraînement. Alors actuellement, là, il y a 12 boxes de créer. Donc, 2 boxes d'isolement pour les chevaux malades, 4 boxes avec paddock. Et une rangée de 6 box, un rond d'Avrincourt, une piste de 800 mètres, un 8 de 450 mètres, une arène pour débourrer et sauter les chevaux, un marcheur. Et dans les projets à venir rapidement, là cet hiver, création d'une piste d'obstacle sur le sable pour les haies et sur le gazon pour le steeple, avec un cross en plus.